Compétition de Team Gym à Goussainville ce week-end. Cette discipline peu connue est classée dans la catégorie des gymnastiques pour tous. Elle a la particularité de se pratiquer en équipe de 6 à 12 personnes. J'ai commencé la Team Gym il y a 2 ans. Après, j'ai arrêté pour refaire de la gymnastique. Et après, j'ai repris parce que ça m'intéressait. Les agrès sont différents. On n'a pas de barre comme à la gymnastique féminine. On n'a pas de barre, on n'a pas de poutre. Là, les garçons sont avec nous, ils font les agrès avec nous. Donc, on a différents agrès. C'est pas pareil que la gym, en fait. Là, on a vraiment le saut, le tumbling, le trampoline, le sol. Et le sol, on ne fait pas d'acrobatie, c'est juste une danse. La compétition s'est déroulée sur 2 après-midi. Elle a réuni plus de 400 gymnastes venus des 4 coins de l'Île-de-France. Un sport qui remporte donc un vif succès auprès de toutes les catégories d'âge. Les gens sont de plus en plus intéressés de continuer à faire la gym alors que leur capacité physique diminue et qu'ils ne peuvent plus faire de la gymnastique aux agrès. Donc ils se reportent beaucoup, c'est énormément d'anciens gyms, d'anciens gymnastes qui continuent à faire de la compétition grâce à la Team Gym. Après s'être lancé en 2011, le club de Team Gym de Goussainville compte aujourd'hui 20 adhérents, dont 6 garçons.